jeudi, avant même d'entrer chez le frère à qui est un homme, j'ai appelé le frère Jean-Luc. Je lui ai dit, frère Jean-Luc, regarde un peu cette affaire, s'il te plaît. Je veux des informations tout de suite. Et là, je rentre, quand je sors, il me dit, ben, patron, il me semble que le zonage est correct. Donc, l'usage pour l'église est correct. On n'a pas de problème. Et c'est ce que je viens de voir, mais il faut aller à la ville pour continuer. Et je dis, il n'y a pas de problème. Le vendredi matin, j'étais à la ville de Montréal. Et j'ai demandé la fiche pour l'adresse. Ils m'ont sorti les fiches. C'est la même chose qu'on avait ici. Donc, même catégorie, même procédure. Donc, c'est correct pour planter une église. J'avais rendez-vous le soir avec le frère Jean-Yves, nous avons invité chez lui. On est allé chez lui et alors qu'on était chez lui, on a appelé le courtier et on lui a demandé bon, maintenant, on va parler des chiffres à la fin. Et on appelle, vu qu'on avait une réunion, rien, on l'a appelé, on a demandé si on pouvait visiter. Il a dit ok. Donc on a fait la réunion et hier on est allé visiter les lieux. Et donc on va voir ce qu'on a vu un peu à l'intérieur. Et ça c'est vraiment vers l'entrée. Et il y a beaucoup d'espace quand tu rentres. Il y a toute une section de la bâtisse où il y avait leur bureau et trucs qu'on peut aménager, mettre une cuisine et puis un espace pour manger, fraterniser. Et il y a deux toilettes. Et ça, c'est il peut être transporté pour le sanctuaire. C'est vraiment spacieux. Il y a deux bureaux qu'on peut, tous ces bureaux-là, on peut l'arrêter pour élargir. Il y a déjà presque la plateforme là-bas. C'est vraiment, je vous dis, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Maintenant, c'est sur deux étages. Le premier étage est à moitié, est à deux tiers occupé. Il y a un locataire. De l'autre côté, il y a le un tiers qui est libre et que nous pouvons utiliser pour l'école de dimanche. Il y a déjà besoin de ne rien faire. On peut commencer à, on peut mettre juste des tableaux et c'est tout, sur Christelle. Il y a genre, je pense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 classes à peu près. On peut mettre le bureau là-bas, l'école du dimanche, parfait. Dans le sous-sol, l'autre deux tiers est occupé. Il y a un cabinet comptable qui loue. Le cabinet comptable a un bail jusqu'au mois d'août. Il paye comme loyer 3 200 $ par mois. C'est déjà un très bon revenu. Mais quand on m'a dit le prix, j'ai regardé le frère Jean-Yves et je lui ai dit c'est beaucoup quand même. Et le frère Jean-Yves m'a dit ceci, mais attends, parce que si on regarde honnêtement, quand on a acheté à Hochelaga, par rapport à ce qu'on était, et on était presque 40 personnes, et la bâtisse ici, on demandait 500 000, c'était plus par rapport à ce qu'on est maintenant et ce qu'on nous demande pour cette bâtisse. Donc, on ne devait pas être intimidé. J'ai dit, alléluia, j'ai besoin de gens comme ça pour le monde. C'est des fois, il faut réfléchir. Mais non, et ils demandent 1,4 million de dollars pour cette bâtisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 1 400 000 comment, où est l'enthousiasme? Paul David. Bien, j'étais un peu la troupe.
1.4 million plus taxes, ce qui nous monte à peu près à 1.6 million. Et c'est ce que nous avons besoin d'avoir si nous voulons ces lieux-là. Maintenant, en fait, dans le sanctuaire, on peut faire un sanctuaire qui peut accueillir 300 personnes. On a 26 places de stationnement sur le terrain. Donc, on aura notre propre parking. Et moi, je pense que c'est à chaque, depuis juste jeudi, ça va juste trop vite et trop bien pour que ça soit juste une simple coïncidence. J'ose croire que c'est la volonté. Maintenant, nous devons juste utiliser de sagesse. Et les points sont ceci. Premièrement, nous avons besoin que l'Église prie pour que nous puissions vraiment être dans la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas juste avoir une plus grande bâtisse, mais nous voulons être dans la volonté de Dieu. Et si c'est la volonté de Dieu qu'on continue ici, c'est mieux pour nous de continuer ici. Mais si c'est la volonté de Dieu qu'on aille en bas, c'est mieux pour nous d'aller. Amen. Et donc, gardez-nous en prière. On va être en prière. On veut faire les bonnes décisions. Maintenant, nous avons deux options. Première option, c'est de vendre ici. Quand nous avions acheté ici, c'était à 400 000. On a acheté à 500 000. L'évaluation était 450 à peu près. Mais aujourd'hui, notre bâtisse ici est évaluée à 580 000 dollars. Et nous devons seulement 130 000 dollars. Cette année, on n'a pas encore présenté le bilan financier, mais on a été en mesure de payer un paiement, comment on dit, remise en capital. On a fait un autre remise en capital de 30 000 dollars. Ce qui nous a abaissé à 130 000 dollars. Nous devons seulement 130 000 dollars, c'est pas 130 000 ou 130 000, quelque chose comme ça. Donc, si nous vendons ici, nous pouvons dégager facilement 400 000 dollars comme mise de fonds sur ce bâtiment et partir à neuf avec le loyer qui vient là-bas. Le calcul est faisable. Ça, c'est la première option. Mais moi, je veux regarder un peu plus loin. Amen. Honnêtement, je ne veux pas vendre ici. Amen. Ce que vraiment le Seigneur, je pense, m'a mis à cœur, c'est qu'on fasse ceci. C'est que on mette la location ici. Et qu'on aille pas. Parce que moi, je sais que en 2-3 ans, si on va là-bas, on va être assez grand, parce que c'est quand même assez loin. Mais que personne n'ait peur. On va tous aller là-bas, et si on va là-bas, il faut que vous tous vous verrez là. Alléluia. Mais je sais qu'après 2-3 ans, on va être 200 là-bas, 250. Alors, on prendra 50 autres personnes qui vont venir ici pour réouvrir la porte. Alors, là, financière, parce que le point, c'est celui-ci. On ne sait pas ce que le futur nous réserve en ce qui concerne les églises. La ville ne veut plus donner des espaces pour les églises. Donc, quand on a l'espace, on veut le conserver. Parce que même quand je suis allé demander l'usage, la dame qui me parlait voulait me sourire. Elle m'a dit, je ne suis pas sûr qu'on peut utiliser ça pour l'église et tout, parce que la façon que c'est écrit, vu qu'on est passé par le processus, moi je le savais. Et je lui ai dit, non, je sais que c'est ça, un lieu de culte, c'est pour l'église. Et elle dit, ah ok, si c'est pour ça, alors c'est bon. Si tu peux vraiment penser qu'elle ne savait pas, voilà, elle le savait. Mais on décourage parce que l'église, quand on cherche.
change de lieu d'usage pour l'église, la ville perd les taxes. Et là, ils ne veulent pas. Ici, c'est 12 000 $ de taxes qu'on devait payer, mais peut-être pas parce qu'on est une église. Et là-bas, ça serait quelque chose comme 50 000 de taxes que la ville ne va pas percevoir parce que c'est une église. Donc, on ne veut pas perdre les territoires qu'on a déjà acquis. Et donc, on va regarder les deux options. Et aidez-nous à prier. Et surtout, si le Seigneur vous fait une demande dans les prochains mois, vous savez déjà c'est pourquoi. Logique, non? Amen. Si le Seigneur vous fait millionnaire, Amen. Vous savez ce que c'est. Vous n'avez pas besoin de prier, de chercher, vous savez aussi. Alléluia. Et c'est ça, on voulait vous présenter ce projet juste en partant comme ça en 2020. Et je pense que c'est la volonté de Dieu que nous puissions grandir stratégiquement. Et non pas juste grandir. Laissez-moi vous dire ceci, laissez-moi juste permettre de lever un peu les chapeaux à certaines personnes qui font que ceci soit rendu possible. C'est impossible. Vous savez, des fois vous cherchez à voir des miracles en gauche, en droite. C'est pour vous dire que l'Église de l'Est est un miracle financier. C'est un miracle financier. Mais c'est impossible. Moi, je sais que vraiment, si c'est la volonté de Dieu, nous allons avoir cela. Mais si vous considérez que cette Église existe seulement depuis 7 ans, ça fait à peine, c'est en 2015 qu'on a, décembre 2015, qu'on a acheté ça. Donc on est là à peine 5 ans ici à l'Est. Et on est presque en train de finir le hôtel. On a commencé à 500 000. En 5 ans, on est en train, on est vendu à 130 000. Et laissez-moi vous dire ceci, c'est parce que Dieu nous fait grâce. Dieu bénit les gens. Et Dieu nous donne des petits camps là, à qui ceci, la moitié de 40, je pense que c'était tous des étudiants, on n'avait pas beaucoup de travailleurs, on avait beaucoup d'étudiants, mais aujourd'hui, tous ces étudiants ont des travails. Du temps que nous restons, c'est tant que nous restons, tant que nous l'autre chose que je voulais vraiment que l'Église reconnaisse, lève le chapeau, ce sont nos dirigeants. Ces gens qui travaillent pour rien. Si c'était d'autres personnes, les dirigeants commençaient à aller s'étirer des salaires et remplir leurs poches. Mais jusqu'à date, à l'Église de l'Est, on n'a pas un seul salarié. On donne juste un petit bonus à la fin de l'année. Parce que nous voulons nous assurer d'abord que l'Église soit stable. Nous voulons nous assurer que nous mettons l'argent du Seigneur à la bonne place. Nous voulons nous assurer de ce qu'on dit ceci. Aucun de ceux qui travaillent ne se tire un salaire de l'Église de l'Est. Et vous pouvez remercier le Seigneur. C'est ce qui rend possible que c'est de nous faire ça. Et je sais que les sacrifices qu'il consent ne seront pas vains. Et je sais que les sacrifices qu'il consent ne seront pas du tout vains. Et voilà, je voulais vous présenter cela. On va vous tenir informé. Garde-nous en prière. Mais je pense que déjà, d'ici la fin de semaine, nous allons faire une offre à ces gens-là. Et on va voir ce que
quelle sera la structure de cette offre. Et voilà. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Oh, il va être bon en 2020. Amen. Chose aussi que je veux souligner avant d'aller plus loin, je voulais dire ceci. Après la prière d'hier soir,